In the course of climbing with English climbers, such as Roger Baxter-Jones, Brian Hall, Alan Rowe, Sandy Parkin, he did a lot for the Entente Cordiale. He joined our Karakoram expedition in 1983, in which he was a very popular member, even with Don Willans, who wasn't so keen on foreigners, and affectionately called Jean Haversniff, and Jean called Don Roastbeef. Both had a natural interest in drinking. John on the vodka and Don on the whiskey. Jean a toujours usé d'une liberté de ton pour s'adresser à tout le monde qui faisait partie intégrante de son personnage. Alors croyez bien que si juste de la même aujourd'hui, ça n'altère ni l'émotion ni la tristesse. Alors Ducrot, tu le fais péter ce rouge ou tu le caches ? Jean, tu ne crois pas qu'on a assez bu comme ça et assez dit de conneries ? Et puis tu m'en fumes avec tes clopes. Oh, fais pas chier, on n'est pas bien là à s'empoisonner paisible. Il faut que je te raconte mon dernier tournage. J'en pouvais plus, j'étais avec des dingues. Alors là, j'ai commencé à me dire, tu vas apprendre des trucs sur l'hystérie des tournages, sur les nouveaux maniaques de la technologie, sur la mauvaise foi érigée en qualité professionnelle. Tu vas te faire raconter des anecdotes amusantes et des rencontres insolites. Tu vas voyager et rigoler avec un ami dont tu connais l'exubérance et la sensibilité, l'originalité sans limite et quelques maquillages pudiques. Mais surtout, surtout, tu vas profiter d'un talent débordant pour te faire expliquer ce que c'est qu'un dingue par un type totalement fantasque. Ne rate pas ça. Personne n'aura traité un exposé sur la dinguerie par Jean afin d'assier soi-même. Alors on a rebu et il a refumé. Il y a 40 ans, embarqué dans sa caisse alors qu'il conduisait comme un fêlé, je lui ai demandé ce qui se passerait si tout le monde conduisait comme lui. La réponse fut prémonitoire et sans appel, je ne suis pas tout le monde. J'ai connu Jean Raffa en 1974 sur l'île Kerguelen, quand nous sommes partis avec Cordier, Baudin et Polian gravir le Mont Ross, dernier sommet inviolé du territoire français. Il était déjà auréolé de cette gloire précoce qu'allait confirmer l'alpiniste que vous connaissez tous. Il surfait déjà sur son succès, mais ne savait pas trop ce qu'il allait en faire. La caméra ne faisait pas encore partie de sa panoplie. Il promenait sa virtuosité alpine dans les faces, et, l'époque étant révolue, des amateurs brillants se moquant des guides, il s'apprêtait banalement à le devenir. Mais voilà, pour les Chamonnières, c'était un Parisien flamboyant, certes, mais qui nous venait de Paris. Il fut donc l'un des quatre membres fondateurs de l'association indépendante des guides du Mont-Blanc, laquelle, pour mémoire, voulait se proclamer rien moins que compagnie des guides des grandes courses. Du haut de ses 22 ans, Raffa a jubilé de faire enrager les Chamonnières par ce genre de provocation. Il avait joué les rebelles à l'ENSA avec ses potes, il narguait notre structure prétendument vieillotte, assoupie et sectaire. C'est pourtant celle-là qu'il a rejointe quelques années plus tard, pour des raisons que lui seul aurait pu expliquer, et avec le talent opportuniste et charmeur que lui seul pouvait mettre en œuvre. C'est qu'il en avait du talent, le bougre. L'ordre alphabétique aidant, il passait soudainement du statut de guide de la Tour Eiffel à celui de premier sur la liste de nos effectifs. À chaque présentation du 15 août, la séculaire compagnie des guides de Chamonix entamait sa litanie par un patronyme qui, plus qu'aucun autre, claquait comme une ouverture débordant notre sectarisme de péquenaud, Jean Afanassiev. Ne riez pas, belle jeunesse, c'était comme ça il y a 40 ans. Disons que ça a fait grincer quelques dents, quelques vieilles dents plutôt, parce que les copains de son âge lui ont fait un accueil de son âge. Et quelques plus anciens, séduits pour certains, ont fait valoir l'intérêt pour la compagnie d'intégrer le jeune prodige. Comme notre structure assure sa pérennité sur le rabotage des égaux et l'aplanissement des extrêmes, notre ami Jean ne s'est pas attardé sur les bancs du tour de rôle. Il a exercé le beau métier de guide comme chacun d'entre nous, mais c'est le monde qui l'a tiré, les sommets les plus hauts, les aventures les plus ambitieuses, les voyages auxquels on ne résiste pas. Pendant quelques années, ses dents de grimpeur ont suffi à l'amener là où il rêvait d'aller. Il a construit sa légende en montant plus haut que tous les autres. De Fitzroy en Broad Peak, de Civetta en Yosemite, d'Arête des Cosmiques en Everest, il n'a volé ni sa croûte ni sa gloire. Il a tenu sa place et engrangé des sympathies. Mais la gloire ne nourrit que rarement son homme, alors pour voyager et connaître le monde, Jean a rajouté un outil à son équipement. Il s'est chargé d'une caméra, un outil qui satisfaisait sa curiosité éclectique, un outil qui, au fil des années, a aiguisé cette curiosité, puis l'a satisfaite au point de l'éloigner, progressivement et sans la douleur du manque,
de ses passions juvéniles et verticales. C'est pendant cette mutation que nous nous sommes beaucoup rapprochés, parce que j'avais fait mon premier film à Kerguelen, là où le jeune Afa, descendant de Russes blancs émigrés, bandana dans les cheveux, parcourait les moraines en chantant « Marchons au pas, camarades », avec un ancien baroudeur des jeunesses communistes. Il y eut des hauts dans nos retrouvailles, comme cette rigolade le jour où, en accélérant la prise de vue pour accélérer les nuages, il a compris, mais un peu tard, qu'il fallait faire exactement l'inverse. Au visionnage des rushs, ces nuages tempétueux sur le Karakorum restèrent irrémédiablement immobiles. Mais comment faire comprendre à un impatient que c'est en ralentissant la prise de vue qu'on accélère la réalité ? Cette erreur était consubstantielle à sa nature, c'est pour ça que nous en avons ri. Il m'a fait des surprises aussi, comme lorsqu'il est venu filmer avec moi les championnats du monde de ski à Sarajevo, là où son père était né quand ses grands-parents fuyaient l'Union soviétique. Il voulait tellement venir qu'il avait vendu sa prestation à une maison de production sans avoir jamais touché une caméra vidéo. Et comme le soir, à l'hôtel, fébrile, il me harcelait. Comment on cale les blancs et est-ce qu'on peut faire des ralentis? Et bon sang, Jean, tu leur as vendu quel bobard à la prod? Ben, je leur ai dit que j'avais fait le même stage que toi. Et ils t'ont cru? Ouais, même qu'ils me payent autant que toi. Occasionnellement, il y eut débat, en un mot comme en deux, quand j'ai eu du mal à récupérer ma dernière batterie que je m'avais confraternellement prêtée au camp 2 de l'Everest. Monsieur Afa, jugeant au moment crucial où Jean-Marc Boivin atterrissait que son plan pour France 3 était beaucoup plus indispensable que le mien pour France 2. De mauvaise grâce, il m'a rendu ma batterie et il a sorti de derrière les fagots une caméra mécanique pour sauver son cou. Ah, le film. Même entre copains, parfois, l'excitation professionnelle étouffe la tendresse. Pas vrai, Jean? Ne m'as-tu pas raconté toi-même qu'à l'approche du sommet de l'Everest, voyant que Nicolas Gégère économisait son oxygène pour garantir sa descente, tu avais, je cite, « foutu le tien à fond pour arriver le premier ». Il serait mensonger de raconter Jean Afa plus délicat qu'il ne l'était. Mais il serait tout aussi mensonger d'amoindrir son irrésistible charme, son culot invraisemblable au service d'un talent sans complexe. Au fil de sa carrière, même si ce mot peut paraître incongru pour classer les tournages d'un touche-à-tout, Jean a d'abord filmé l'Himalaya avec Bernard Prudhomme, les sportifs et les aventuriers, bien sûr. Puis, la fatigue aidant, il a filmé les tigres, les trains, les robots, les mammouths. Avec l'ouverture de cette Russie qu'il chérissait bien avant de la connaître, il a plongé son objectif dans la problématique environnementale du Baïkal et de la mer d'Aral, dans l'économie poisseuse du pétrole, dans la sociologie politique avec le drame du sous-marin Koursk. Il a toujours su obtenir de ses interlocuteurs l'interview qui faisait mouche, la confiance du témoin, la situation probante. Il est allé pêcher des archives inouïes dans les cinémathèques des villes russes désorganisées. Il m'a même confié avoir eu la trouille quelquefois. Était-il russe, notre Afanassiev? Peut-être que oui, selon quelques clichés, par son côté excessif, sa manière de choyer son chagrin. En tout cas, il l'était par la façon dont il satisfaisait parfaitement cette remarque du cinéaste Kontchalovsky. On ne comprendra jamais les Russes tant qu'on ne saisira pas que, pour un Russe, la liberté ne consiste pas à faire ce qu'il peut, mais bien ce qu'il veut. Mon intimité avec le personnage s'arrête à cette frontière-là. Je ne suis pas à même de savoir jusqu'où il a poussé cette quête et qui a pu en faire les frais. Je sais seulement que j'ai partagé avec lui parmi les moments les plus amusants de ma vie, parce qu'il lui arrivait d'être totalement déjanté. J'ai apprécié qu'il m'honore d'une amitié sans réelle concurrence, professionnelle, parce qu'il savait être à la fois profiteur mais généreux, irritant mais si attachant. Au point qu'il m'a proposé d'être le cadreur sur certains de ses derniers tournages, et qu'en revenant de là-haut, sur un grandier du Koumbou, je lui expliquais quelques rudiments de la Constitution française, parce qu'il envisageait de se présenter à la députation pour la circonscription de Chamonix. « Sans blague, j'ai mes chances », m'avait-il affirmé. Je pense qu'il y croyait un peu, comme il a toujours cru en son étoile, qu'il lui suffisait d'essayer. Je tiens d'une amie commune ce jugement aussi affectueux que lapidaire. Il est capable de tout. La preuve. Aujourd'hui, il lui fallait du blanc pour être russe, un temps de saison pour être chamoniard, du froid pour qu'on ne croie pas que tout lui fut facile. Il lui fallait beaucoup de monde pour en être le centre et des jolies femmes pour le rassurer. Il lui fallait ses copains alpinistes pour que la montagne n'oublie pas le météore qu'il a été. Il lui fallait tous ses amis pour lui répéter que oui, il avait bien le droit d'être dingue, pour mieux qu'il le fût avec talent. Et nous savons tous ici qu'il ne savait pas prier. On ne peut que t'applaudir en te quittant, Jean. Toi qui t'es construit une vie exceptionnelle parce que tu as eu l'intuition de ton propre destin et que tu t'es accordé les moyens de l'accomplir.
si malgré ta vigueur et ta pugnacité, tu en signes aujourd'hui la fin douloureusement prématurée, c'est qu'elle était écrite. Alors tu te l'es appropriée à ta manière en plaisantant sur la médecine. Pff, c'est qu'on me parle comme si j'étais déjà mort. M'as-tu sorti il y a 15 jours. Et c'est avec cette élégance que tu m'as dispensé de chercher les formules introuvables lorsqu'il s'agit de se dire adieu. Merci, Jean. En 1971, un jeune homme de 19 ans court sur la mer de glace. Il porte un blue jean effiloché. Ses longs cheveux flottent dans la brise du petit matin. Sur son dos, un tout petit sac contenant une gourde, une paire de crampons, un kawé. 9 heures plus tard, sa silhouette se profile à 4200 mètres au sommet de la pointe Whymper. Il vient d'escalader la face nord des Grandes Jorasses par les ponts Croze. C'est une première dans le massif du Mont Blanc. Un exploit qui défrait la chronique. Car seul Reinhold Messner, en gravissant en 1969 la face nord des droites, avait jusqu'ici pratiqué dans nos montagnes cette forme d'alpinisme. La plus pure qu'il soit, mais la plus téméraire. Jean Afanassiev, car c'est son nom, devient ce jour-là en France le pionnier de l'alpinisme solitaire intégral. Et les Ponts Croze ne restent pas un coup d'éclat isolé. Jean enchaîne par la suite une série de solos, plus remarquables les uns que les autres. Je me bornerai à citer la face nord de la Blanche de Petré et les Ponts Croze aux droites. Tous ces itinéraires surmontés, avalés, si j'ose dire, en des temps records. Les superlatifs ne tardent pas à pleuvoir. On compare Jean Affa à Paul Preuss, à Emilio Comici, à Claudio Barbier. Mais tous les chamoniards pensent que ce jeune cinglé ne va pas tarder à se fracasser. Et pourtant, Jean ne tombe pas. Car derrière un visage d'adolescent et des allures décontractées, se cache un alpiniste hors du commun. Il y a chez lui une maîtrise technique, une résistance et une détermination que personne ne soupçonne. Et il est bien plus réfléchi et calculateur qu'on ne le croit. J'ai connu Jean Afanassiev après l'Everest, lors d'une expédition au Fitzroy. Jean tenait à régler son compte à la face nord d'El Chalten, c'est le nom donné au Fitzroy par les tribus indiennes. Cette paroi, haute de 1800 mètres, il avait tenté de l'escalader 2 ans auparavant, mais sans succès. Depuis, il ruminait cet échec, un peu à la manière de Cesare Maestri, après ses déboires au Cerro Torri en 1958. Car l'âme des alpinistes d'exception, dominée par un ego à la dimension des cimes qu'ils ont gravies, se laisse facilement titiller par l'orgueil, même si la compassion, la générosité, voire la tendresse, n'en sont jamais totalement absentes. À la fin du mois de novembre 1979, nous nous envolons donc, Jean Affa, son frère Michel, Guy Habert et moi, vers l'extrême sud de l'Amérique latine. Ces terres du bout du monde, où seuls quelques andinistes avertis perçoivent le cri du condor dans les sempiternels déferlements des vents. J'ai découvert à cette occasion le phénomène Jean Afanassiev. Je n'ignorais pas, bien sûr, son palmarès, le pied iconoclaste qu'il avait posé en 1978 sur le toit du monde, ses ascensions météoritiques dans les Alpes. Et lors de brefs varapes dans les calanques, j'avais compris qu'il ne mousquetonnait jamais plus d'un piton sur 3. Mais je ne m'attendais pas à observer en montagne autant de facilité et de décontraction. Un tel sens de l'itinéraire, une capacité aussi étonnante dans la lecture des passages. Bref, autant de maestria. Et pourtant, au cours des années 70, je crois avoir été relié par la corde aux rappeurs les plus doués. Le Marseillais François Guillot, le Parisien Nicolas Gégère, le Chamonix René Guidini, l'Anglais Peter Bortmann. Je prie les survivants de me pardonner, car aucun d'entre eux en montagne ne m'a aussi fortement impressionné que Jean Afanassiev. Une courte anecdote pour illustrer mon propos. 15 jours après avoir franchi le Rio Electrico, nous nous lançons dans l'assaut final. Mais il nous faut remonter en fil d'araignée une corde de 50 mètres. Nous ne l'avons pas assez tendue et elle s'est usée sur le rocher. Et comme l'âme semble atteinte, la sagesse nous conseille de ne surtout pas la tirer. Je prépare donc mon matériel afin de réescalader le dièdre qui nous domine, conscient bien sûr de la perte de temps pouvant en résulter. Mais au même moment, une ombre vient se projeter sur la paroi. En levant les yeux, j'aperçois Jean, 10 mètres au-dessus de moi, pendu à ce fil à moitié coupé.
tout en manipulant ses jumards, il m'explique qu'il est hors de question de laisser s'envoler 2 heures de beau temps en Patagonie. Jean Afanassiev, petit-fils d'immigrés slaves, avait appris à jouer à la roulette russe. Et s'il n'avait pas pratiqué l'alpinisme, il aurait englouti des bouteilles de vodka sur le rebord d'une fenêtre à la manière des héros les plus flamboyants de Tolstoï ou de Pushkin. J'en étais pas du genre à suivre un entraînement physique rigoureux. On ne l'a jamais vu en short pratiquer le jogging, ni faire des pompes ou des tractions, ni se livrer à la moindre gymnastique. Il menait une vie aux antipodes de celle d'un sportif accompli, fumant comme un sapeur, ripaillant dès que l'occasion s'en présentait, et ne dédaignant ni les Côtes-du-Rhône, ni le Martigny-Picon. Mais la montagne obéit à de curieuses lois. Chaque grimpeur possède son identité, son idiosyncrasie. On voit parfois des chauves avec des cernes sous les yeux, des petits estrancinés accomplir des prouesses, là-haut de superbes athlètes, cales et se liquéfient. Et j'en tirais, lui, de son refus de toute diététique, des raisons de se surpasser sur les cibles. Fils d'immigrés ayant fui le communisme, il haïssait les dérives aseptisées, stakhanovistes de l'escalade. Il ne considérait pas la montagne comme un sport, il en avait une idée bien plus haute, bien plus noble. C'était pour lui une porte ouverte sur l'aventure, les voyages, les frissons. Une façon de savourer le sel de la vie. Non qu'il ne possédât pas de belles qualités physiques, il tirait parti d'un corps musclé et élancé. Mais pour reprendre le vocabulaire technique des cadres jeunesse et sport, ce rapport poids-puissance s'avérait optimum. Peut-être aussi avait-il hérité les gènes d'un de ses lointains ancêtres, quelques chasseurs de l'Altaï, du Caucase ou de Sibérie, spécialistes de la traque du gibier sur des espaces pentus et glacés. Au-delà du physique, il y a cependant la métaphysique. Et c'est peut-être le rapport que Jean a entretenu avec la mort, et donc avec la vie, qui permet le mieux d'éclairer sa personnalité. Depuis son plus jeune âge, Jean s'est joué de la grande faucheuse. On peut même dire qu'il a passé son temps à la défier, à lui adresser des pieds de nez. Sur sa moto, dans Paris, il roulait déjà comme un kamikaze, un peu à la manière de James Dean. En montagne, il pratiquait évidemment le solo et allait par principe tête nue. Il ne portait jamais de casque, estimant cette protection encombrante, couarde, inesthétique. Ce face-à-face avec la Camarde, il le perpétue plus tard dans l'exercice de son métier de cinéaste. Lors du tournage de ses films, il privilégie les images spectaculaires exigeant une prise de risque maximale. Au Yosemite, par exemple, dans le Nose, il immortalise Linil escaladant le grand surplomb, The Great Roof. Il peint avec sa caméra au bout d'un filin avec au-dessous 1000 mètres de vide. En bateau, au pôle Nord ou dans l'Antarctique, il essuie les pires tempêtes. Et dans la presqu'île du Kamchatka, il n'hésite pas à embarquer à bord des vieux hélicoptères de l'armée russe, qui, selon les statistiques aéronautiques, possèdent les plus fortes probabilités de crash. Le clou de cette saga du risque, reste cependant l'épisode du tigre. Jean a décidé de tourner un documentaire sur ces grands félins, avec lesquels il partage probablement quelques traits de caractère. Comme toujours, il lui faut des plans, des séquences sortant de l'ordinaire. Alors il propose au dompteur d'entrer dans la cage. Il lui indique qu'il veut filmer une tigresse par en dessous au moment où elle saute au travers d'un cerceau. Le dompteur, réticent, donne malgré tout son accord. Le fouet claque. L'animal entre dans l'enceinte et gravit les marches de l'escabeau. Arrivé au sommet, il marque cependant une pause, dirigeant son regard vers Jean, étendu sur le sol en bas, et qui braque sa caméra sur lui. Pendant 3 ou 4 interminables secondes, Jean se demande si le fauve ne va pas le dévorer. Et puis non, la tigresse finit par exécuter son numéro de cirque, elle s'élance au travers du cerceau. Cette faculté de regarder la mort sans sourciller, Jean l'a conservée intacte jusque dans ses derniers moments. Depuis 18 mois, il se savait atteint d'une maladie irrémédiable, mais il ne s'est jamais lamenté, car il supportait formidablement la douleur et l'adversité. Il a continué comme à son habitude à jouir de la vie, voyageant en Russie avec sa fille Olga, participant à un trek au Népal en compagnie de son ami Michel Pelé, et ne se privant surtout pas du plaisir de la grimpe. Au mois de mai dernier, alors qu'il subissait des traitements lourds de chimiothérapie, nous avons gravi ensemble avec sa sœur Elisabeth, mon épouse, et notre fils Julien une voie de 300 mètres à la Sainte-Victoire. Jean, en dépit de sa maladie, insiste pour prendre la tête de la seconde cordée. Au début, cherchant à lui faciliter la tâche, nous laissons pendre des anneaux. Mais après 2 ou 3 passages, le voilà qui nous double comme une fusée. Et il se met à tirer d'interminables longueurs. La magie AFA continue, en toutes circonstances, d'opérer. Nous retrouvons la même aisance, la même fluidité qu'en ces temps anciens et glorieux, ceux durant lesquels, jeune blozard parisien, il avait époustouflé le monde de la montagne
par ses incroyables solos. Jean a toujours déchiré la mort parce qu'il aimait intensément la vie. Comme Antoine de Saint-Exupéry l'a si bien exprimé, il savait que l'acceptation du risque de la mort, c'est l'acceptation de la vie, et que l'amour du danger, c'est l'amour de la vie. On vient d'entendre des éloges tout à fait remarquables. Rappelons, bien sûr, la vie, notamment de tout ce que Jean a fait en montagne. Moi, je retiens ce que le pape ce matin nous disait. En fonction d'un rite que j'ignorais totalement, Jean a perdu l'esprit, mais vit encore en nous pendant 8 jours. Alors, vous allez me permettre, sortant peut-être de ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, de m'adresser directement à toi, Jean. Puisque tu vis encore. Eh bien, je ne peux pas apprendre quelque éloge que ce soit, on vient de tout dire. Je dirais simplement que, en fonction de nos nombreuses conversations depuis combien d'années, tu étais pour moi un homme de caractère. Un homme de caractère, c'est un homme qui dit ce qu'il pense, qui sait rudoyer quand il le faut, et j'ai été de ceux qui ont été rudoyés. Donc, tu m'as plu pour ça. Tu m'as plu aussi parce que, encore une fois, tu étais irrévérencieux. Et j'ajouterai à tous les qualificatifs que j'ai entendus jusqu'à maintenant le mot de rebelle. Tu étais un rebelle, irrévérencieux. Bon, je ne reviendrai pas sur le fait d'arriver au toit du monde, puisqu'on l'a rappelé ici, je ne voulais pas le faire moi-même, quand tu m'as dit « on est enfin sur la bosse ». Oui, c'est quelque peu irrévérencieux. Moi, je t'ai aimé et je t'aimerai encore parce que, effectivement, tu as montré ton attachement, d'abord à toute cette famille, tous tes amis, tous ceux qui t'entourent, de la montagne ou d'ailleurs. Tu l'as montré par un culte que tu avais pour la famille, qui vient sans doute d'ailleurs de ton origine slave, enracinée en quelque sorte dans cet christianisme orthodoxe. Tu as évidemment commis une grave erreur en nous quittant, parce que tu laisses, je répète, tous ceux qui t'entourent, pleins de peine, de chagrin, et je peux me permettre de le dire à plusieurs titres en ce qui me concerne. Alors écoute, mon vieux frère, on a dit tellement bien de toi que je vais te dire que tu es un con de nous avoir quittés. Je suis en train de se passer au grand feu. Je suis en train de me dire, je me suis déjà.